Et re tout le monde, ici Flish. Et nous voilà pour le... Attends une seconde. On est au combien d'épisodes déjà? 1, 2, 3... Quatrième épisode, c'est ça. Voilà, quatrième épisode. Donc nous voilà pour le quatrième épisode de Rainworld, où la dernière fois nous étions... nous avons traversé l'industrie complexe pour aller dans une zone complètement obscure que je ne connais absolument pas et qui n'est pas la suite de l'aventure, je pense. Parce qu'en fait, je pense que je vais tellement vite. Et puis il faut prendre son temps, faut découvrir tout ça. Le jeu c'est forcément la découverte, sauf que je connais la plupart des zones. Sauf que l'autre, je la connaissais absolument pas. Je connaissais absolument pas les créatures. C'est un Slug 4 qui est écrit en, qui est en graffiti derrière. Et je me demande comment on fait pour atteindre les fruits qui sont en dessous sans qu'on meure. À moins que ce soit une décoration. Enfin une décoration au sens où... Après peut-être on peut monter en haut pour avoir de la bouffe. Mais non, on va pas faire ça, ça part. On va pas tout... Non. En plus, il y a de la bouffe juste là. T'as de la bonne bouffe. Y'a là. Nya. Maintenant, maintenant, ça va me stresser quoi, parce qu'en attendant, on a plus de fleurs de karma. Et oui, on en a plus. Et il y a environ une fleur de karma à toutes les nouvelles zones, on va dire. Sachant que l'autre zone, on en a pas trouvé une. Du coup, je pense qu'on est vraiment. Je sais pas en fait. Alors, t'es passé où la dernière fois? Ah, il faut passer à droite. Une zone qu'on n'a pas explorée. Tu peux nous montrer où on peut aller? Là, il nous montre, là il nous pointe en fait. Et c'est souvent pour dire juste après. Ah. Allez, 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 allez. Tu grimpes et y aller les uns partout. Et ils sont bien attirés par la genre de fleurs, les autres machins. Est-ce qu'il y a un autre... Après, il y a un passage en haut. Je pense qu'en fait, on va aller à gauche. Et il y aura le passage là à gauche. Comme ça, on va redescendre, on va explorer un peu plus. Ah, ils se battent. Génial. Oh non. Non, 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 non. Cours, Forest, cours. Vous êtes à moi. Non, je... Ah, je suis full. Oh non, 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 mais ils sont tous là. C'est la fête. J'espère que je suis juste assez haut pour pas qu'ils puissent me bouffer. Je suis juste assez haut pour qu'ils ne passent pas me bouffer! Mais depuis quand ils peuvent grimper? Arknight! Je sais pas où je vais en plus! C'est une erreur stratégique! Ah non, c'est pas une erreur stratégique en fait. On va faire un tour, comme ça ils vont être perturbés. Enfin, j'espère. Et là, pendant qu'ils font leur magnifique petite partouze, bah nous on va devoir essayer de balancer une lance sur le mur. Putain, ça va être chaud. Allez, battez-vous, battez-vous, allez un petit peu plus à droite. Pour que je fasse le saut. Le saut de l'ange. Ah. C'est bon. C'est bon, on est sauvé. Par contre, on a plus un petit caillou. Ça peut nous sauver la vie. Un caillou, ça assomme un petit peu le lézard avant qu'il te bouffe. Voilà. Je sais pas où on est là. Je me souviens pas de la zone. Je me souviens pas. La première zone, je m'en souviens assez bien parce que c'est là où j'ai passé le plus de temps. Et là maintenant. Ah, une lance. Génial. On va prendre la lance en premier. On raconte pas la fois où... C'est déjà la moitié de la journée. What? On a assez de bouffe, en fait? Oui, on a assez de bouffe. On s'était fait le plein. En plus, on a toujours la perle. Oui, on a toujours la perle dans la bouche, en théorie. En théorie. Oh là là. J'ai pas envie de tomber comme un con, comme tout à l'heure. Bah, quand on le dit... Ah, je suis mort juste là. Alors, comment monter? Faut que je descende, que je monte. On est déjà à la moitié de la journée déjà, donc faut que je me... What? Faut que je me dépêche. Je crois qu'il y a des moments, en fait, on peut se dépêcher plus qu'à d'autres moments, en fait. C'est bizarre. Ce sont le signe, j'imagine. Yep, là. Ah, là-haut, il y a un fruit... Enfin, un fruit. Il y a un shifter là-bas. Ok, c'est génial. Yes, shelter veut dire abri en anglais. Oh, les lézards invisibles. Ah, comme vous m'avez fait chier, vous. Vous avez vu à droite? Enfin, à gauche. Enfin, en haut. Enfin, en bas. Regardez, il est là, à gauche. Ils sont invisibles, les petits enculés. Ils connaissent les bails, hein. Vous savez quoi? Moi aussi, je connais les bails. Tu sais quoi? Prends-toi ça. Vengeance pour toute la souffrance que vous m'avez fait dans la zone aqueuse. Je suis vraiment dans un... Oh, bah.
On était juste. On était mort là? Bon, on va se coucher maintenant, comme ça c'est fait. Et on aura la chumette. Papapalapin! Bah. Ah voilà! Non, je suis enfermé! Et voilà, nous avons le survivant et le bouton le passage qui nous permet de nous téléporter dans une zone où on est déjà allé. Mais j'ai un achievement. Est-ce que je tente de voir juste vous, parce qu'en fait il y a une image un petit peu classe dessus en fait, enfin un petit peu classe voilà. Mais est-ce que je tente de cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça ressemble? Au pire je redémarre le jeu. Oh bah les couilles, je vous montre. Non, j'aurais pas dû faire ça en fait. Je pense pas qu'on puisse revenir en arrière. Et là, à vous de comprendre aussi. Le slogan en mode fantomatique qui se fait regarder par des lézards. Et j'aurais pas dû. Non. Voilà, là c'est pour. Ok, ça n'a pas. J'espère que ça n'a pas compté le passage. Bon, voilà, avec nos petits cailloux. Ah eh bien, c'est pas une vie de tour un peu le Slug 4, je fais un speedrun. J'en ai jamais fait en parenthèse. Non, je plaisante. Ou alors c'est le temps qui passe vite et je le sens. Bref. Alors, nous devons monter. Alors, j'étais mort pas loin. J'étais mort où? Il y avait, la première fois, je suis mort à un endroit, mais je sais plus où j'étais mort. Ah non, j'étais mort. C'est le lézard qui m'avait emmené, en fait, jusqu'ici. Qui avait emmené mon cadavre. Et je suis mort, vous. Aucune idée. Peut-être il y a une zone en bas. Bon, ouais, il faut falloir aller à gauche. Attends, je monte juste, je regarde ce qui est sous sa main. Ah, son de combat. Oh, un vautour. Bon, bah, voici un vautour. Ils peuvent pas passer les conduits. Voilà, t'es baisé. Alors, les vautours, c'est ça. Les vautours, ça vole, ça balance des jets pour je ne sais pas à quoi ça sert en fait. Ça essaie de vous agresser, de vous attraper avec sa bouche, et voilà. Et si vous arrivez à balancer une lance sur sa tête, sur son espèce de crâne, vous pouvez récupérer son masque. J'ai vu ça une fois sur un forum, une fois, disant j'en peux plus des lézards. Ah ! Non ! Putain. Non mais c'est... Sale petit petite créature blanche super méchante qui fait chier. Ah oui, c'est vrai, faut que je repasse ça. Bon, monte-nous un peu la map, comment c'est. Peut-être on est pas mort en fait. Attends, je vérifie si on est mort. Non, là il est en train de nous achever là, je crois. Est-ce que le Slug 4 est mort? Ouais, on est mort, c'est bon. Là c'est la satanière. Ah, c'est satanière. Ah, c'est sûr, on est mort. Il n'y a pas de fleur de karma. Bon, bref. Bref. Alors, comment trouver la nouvelle zone? Bah, peut-être, il faudrait peut-être que l'autre nous aide à bout d'un moment. Parce que je sais qu'il faut aller à droite, mais après, il faudrait peut-être un peu plus m'aider. Il y a plein de zones ici où on peut monter. Mais pour y arriver, il faut repasser la zone où il y a les deux lézards qui se font... qui sont en train de se battre 24 heures sur 24. Bref, il va falloir que je repasse cette zone là. Il n'y a pas d'autre zone où apparemment je puisse passer. Ouais, il va falloir passer là. Ça va être chaud, mais il va falloir passer là. Et si j'avais une lance en plus, j'aurais pu aller chercher la bouffe. Oula. T'aurais peut-être trop d'avoir le jeu, quand même. Mais bon. Hello. Ça va? Ok. Ah, et quelle heure? 97 minutes. Mais. Hello. Il lag un peu mon PC? Ou il est chaud? Ah ouais, il est chaud mon PC.
le jeu de mots. Allez. Oh! Putain, si vient vers moi, c'est notre chance. C'est notre chance! Viens vers là! Connard! Lui, il balance sa langue pour nous attraper! Là, c'est notre chance, parce qu'il n'en reste plus qu'un. Par contre, là, on est dans le conduit, et les arbres vont plus vite dans le conduit que la normale. On a deux cailloux avec nous. Il y a l'autre les a à droite, à gauche. Mais bon, c'est notre chance, parce que là, il en a qu'un seul. À moins que je me crève comme une merde. Salut! Viens! Et hop là! Et ben voilà! On avait besoin d'un petit peu de chance pour passer tranquille! Oh là là, il y a l'autre là-haut! Non! Oula! Bon, on va faire la technique du chouchou! Oh! Oh! Oh non, mais lui, ils peuvent. Non, mais attendez! Tu ne me vois pas! Tu ne me vois pas! Bon, on va faire la technique du chouchou alors! On attend que le bleu arrive! À moins que c'est pas son territoire, il n'y vient pas. Eh oh, tu viens? Ah, peut-être qu'il a une mémoire défaillante. les théories. Non! Oh bah lui aussi il a une langue. Enfin, il a un espadon. Bon, tu viens ou tu viens pas? Ah, il vient. Ça y est, il est parti. Là, il brain, là il va se dire, oh bah il est parti, je vais retourner chez moi. Et c'est là qu'il faut courir. Enfin, sauter, courir. Yeah. On va y aller. Oulala, c'est quoi ça? Ouah! Non, c'est quoi ça? Non! Ah, le lézard est arrivé! Bon ben, c'est ainsi que Slugcat se fait attaquer par des abeilles cheloues. Ah ouais, ok. Bleh. Attends, est-ce qu'on peut prendre... Oh! Non! Ah! Je sais. Putain, si on pouvait les garder et balancer ça sur des lézards, ça serait tellement drôle de les voir se tortiller de souffrance. Bon. Je sais. Jamais vu. Ah, je sais plus si j'ai vu. Oh non, Arknight! Arknight! Salut! Au revoir! Alors en fait, si vous n'avez pas d'endroit pour vous cacher, les vautours c'est les pires mobs en fait. Si vous êtes dans un endroit vraiment découvert, vous êtes dans la merde s'il est là. Là vous allez devoir vous balancer avec des lances et le repousser. Ça va être chaud. Ou le tuer même, mais bon. Voilà. Bref, est-ce qu'on peut aller à gauche? On a toujours une perle? Ouais, on a toujours une perle. On peut aller à gauche. Ça sent le lézard après, mais bon. Parce que là, il n'y a aucun lézard, c'est tout silencieux. Mais voilà, les lézards qui sont là. Je suis complètement perdu après. Et on a juste assez de bouffe pour dormir. Là, il faut explorer. Montons ou monter? On va essayer de monter. Non, c'est pour descendre ça. On va descendre pour juste pour voir en fait comment c'est. Comme ça l'affiche sur la carte. Non. Je pense pas que ça puisse être par là. Par contre, là, il y a le lézard en bas. Qui va venir nous faire un coucou. Et il est où l'autre qui nous aide? Ah, il y en a un là. Viens vers là. Viens. C'est bon, il a fait un tour. Ah! Non! Il m'a un brain! Ouh, il a fait une brain. Bon, là, il faut courir là. C'est déjà la moitié de la journée. Enfin, du cycle. Venez là! Oh, putain. J'ai pas envie de descendre parce qu'elle les a en bas. Voilà, j'en ai eu un. Si j'arrive à avoir les deux là, je serais bien quoi. Oh, il y a une perle tout en haut, regardez. Juste là, juste posé en offrande. Vous avez vu le truc violet là? Oh, c'est mignon ici. On va se nourrir. Attendez. Miam, miam, miam. Ça sent le vautour aussi, au fait, ici. Oh, putain. Je les ai tous tués. Je les ai tous tués. Ils sont tous morts, Francis. Ah, putain.
Eh bien. Excusez-moi pour le langage. C'est ça. C'est quoi c'est. On peut faire quelque chose avec? On peut rien faire avec Flich. On va prendre la perle. Même si ça va pas servir à repousser un. Oula. Oh. Tout en bas. Tout en haut, vous avez vu ce que c'est? C'est quoi? C'est un fruit? Ou c'est une plante carnivore qui va nous sauter à la gueule comme dans les Mario ou dans les. Je sais pas ce que c'est. Par contre, je me souviens pas du tout de cette zone là, personnellement. Il y a des zones où je m'en souviens à peu près. Il y a des zones où je suis complètement. Où je connais pas. Oh putain, on tourne en rond. Là, on tourne en rond là. Et il faut trouver un abri assez rapidement parce que là. On va tourner à gauche, on va tourner de là-haut. Il va falloir qu'on soit on retourne en arrière. Attendez, je regarde. Non, là on peut pas aller à droite. On peut monter là-haut, mais il n'y a rien de spécial. On peut. Et au fond, il n'y a rien de spécial aussi ici. Faut vraiment. Ouais, il faut vraiment qu'on retourne en arrière en fait. On allait trop loin. On allait trop loin en fait. Faut vraiment qu'on retourne en arrière du coup. Ouais, par contre, faut se dépêcher là du coup. Parce que. Attends, on est où là? Non, il faut. Faut passer par où? Faut passer par où? Il va être trop tard comme tout à l'heure. Faut pas attendre. Non mais. Plus vite, Slotcat, plus vite! Oh! C'est machin pour débloquer en plus des éléments du multijoueur. Si un jour il y a quelqu'un qui voudra jouer avec moi. Allez! Je sais pas ce que c'est. Oh mais purée! Non mais. Faut que je me dépêche là, vraiment, parce que là. C'est vraiment la fin. On compte vraiment sur la fin. Un lézard bleu! Ouais. Parce qu'en fait, il y a un mode sandbox slash combat multijoueur en fait, pour un multijoueur local, pour s'entraîner ou pour jouer avec ses amis en fait. C'était la mise à jour 1.5. Et quand il y aura une mise à jour survie en machin, en ligne, ce sera fantastique. Gironimo! Je sais pas où on va et il n'y a pas de shelter à l'oison et le helper ne vient pas venir nous voir et il faut aller par là. Non mais, la perle. Je sais pas où on va aller. Faut vraiment qu'on. Là-bas, on peut descendre. Non. Attendez, c'est où là? Milieu. Et là, on commence à tomber vers les bas fonds de la map. Peut-être qu'il va y avoir de l'eau en bas. Aucune idée. Je reconnais pas du tout l'endroit, en tout cas, moi personnellement. En vrai, je suis allé qu'une seule fois dans ça, dans les. Faut vraiment aller vite. Au pire. On peut descendre par là? Ouais. Ah, peut-être que je me souviens de cette zone-là. Peut-être. Je m'en souviens plus. Et là, faut vraiment Slotcat, faut se dépêcher là. Je connais pas la zone. Et il est où l'autre jaune? Il est mort? Là, on est vraiment sur la fin. Habituellement, moi, je suis toujours en mode. Moi, je suis toujours en mode. Je vais rapidement. C'est quoi? C'est une larve? On dirait un nid de vautour. Enfin, un nid tout court. Voilà, c'est la nuit. De toute façon, j'ai pas le temps de me préoccuper. Oh, oui, je m'en souviens de la zone. Je m'en souviens de la zone. Justement, j'étais dans le même cas qu'ici. Je souffrais. Je pleurais. Je me disais que c'était la fin. J'allais mourir. Vite! Oh non, je suis trop loin. C'est la fin du Slotcat. Même si je trouvais un shelter maintenant. Oh! Qu'est-ce qui se passe? What? Ouais, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Ouais, c'est la fin en fait. Ouais, c'est la fin. Allez, vite. Putain. Allez.
C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Je peux même plus monter le slope 4 maintenant. Allez, non, c'est la fin. C'est la fin. Voilà. Et on respawn nous en plus. Oh là là, on respawn si loin. Ok, bon là on court là du coup. On fonce. Oh, le caillou qui nous sauvait la vie. Ah ouais, mais là c'est... Oh, mais on est si loin là. Oh putain. Il va falloir attendre que l'autre revienne. Attends, juste. J'étais où avant de mourir? Et toi t'es là pour nous aider toi. Monte-nous, il faut qu'on aille. Là, toutes les canalisations, on pouvait aller là. On pourrait trouver un endroit où il y a un... Passer vers la gauche, là en bas. Bon, en tout cas, il faut foncer, quoi. C'est par la fliche. J'ai pas mon caillou. Du coup, s'il y a l'autre lézard qui est à l'autre bout, attention, je suis prêt à monter. Il est pas là. J'ai un caillou. J'ai deux cailloux. Non, je... Ah! Oh, des fruits! J'avais faim, justement! Enfin, l'autre, il a aussi faim, mais... T'aurais pu... Mais pourquoi il mange pas les fruits aussi, justement? Bien beau, Flich. Alors, en fait, les... Oui, les cailloux... Bon, vous avez dû comprendre aussi les cailloux. Ça ne fait que très peu de dommages aux lézards, ainsi que tous les autres mobs, et ça permet de les assommer pendant un petit moment, le temps de se... De se. De ne pas se faire attraper. Bon, ouais, compris pas. Est-ce que tu peux nous montrer où il faut aller? Monte-nous, je dois aller. Et je, là, je perds un temps fou juste pour essayer d'attraper un fruit. Voilà. Il va être de l'autre côté. Ils sont toujours en couple, le blanc et le vert. Tu veux que j'aille me coucher encore une fois? Mais non! Y'a encore un bruit de machine, vous entendez? Il est où le blanc? Yep là! Au revoir! Attends, yep là! En haut! C'est en haut qu'il fallait passer! Oui! Oh oui, c'est là où il y avait les machins chelous! On va attaquer à distance. J'ai rien dit. Putain. Je sais pas si... Je pense qu'en fait, il doit avoir moyen de les prendre. À moins que ce soit un... Oh! À gauche, vous avez vu un truc bleu? Salut? Ah oui. Ah! Mes yeux! Oh! Non, salut! Mais je suis gentil! Je suis gentil! Ça, ce machin là, c'est les vendeurs comme je les appelle. NON! Laisse-moi, aide-moi! Aide-moi! S'il te plaît! Oh! Il attaque le lézard! Mais il me tue pas! Alors, ce machin là, on peut avoir une genre de réputation avec eux. C'est un peu chelou, mais en gros, on peut avoir une genre de réputation, être un chef, tout ça. C'est eux les vendeurs en fait. On peut leur vendre des trucs. Enfin, genre les perles quoi. Oh, il était invisible lui aussi. Salut! Non mais! Je crois qu'il m'a tué par inadvertance en fait. Voilà, nous pouvons voir un magnifique combat de scavenger. Mais ils viennent d'où ces scavengers? Oh, regardez, ils m'ont laissé en plus mort. La tristitude. Et là, les deux là, ils sont en mode... Qu'est-ce qui se passe? Bon là, bah, là je suis dans la merde parce que là j'essaie de trouver, là je suis au deuxième niveau de karma, du coup je suis tout en bas, voilà. C'est du die and try presque au bout d'un moment en fait. Mais bon, parce qu'après je vais bien m'amuser à essayer de trouver toute la bouffe après pour réussir à remonter la pente. Par contre après je vois pas comment passer les genres de fleurs, des fleurs attrapent tout. Ne montez pas par pitié. Alors les verts ils peuvent monter, je pense que c'est selon la grandeur en fait des lézards qui peuvent monter ou non.
Ah bah voilà, vous avez laissé l'entrée libre, merci. Par contre, j'ai pas pris la bouffe. Et j'ai vu un éclat vert sur le... Est-ce que les lézards peuvent aussi se faire agresser par ça? Non mais, pas moi! Est-ce qu'il faut spammer, rond? Nya, nya. Ah ouais, mais ils sont partout en fait. Oh non, le vautour. Non, en fait, ça disparaît petit à petit en fait, le machin. Oh non. Non, 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 non. Allez! Et il y a le vautour là, juste... Juste là, il est parti juste au bon moment. Et j'ai pas de cailloux, j'ai rien pour me protéger. Oh oui, regardez. Allez, allez, fais-toi bouffer, allez. Allez, vas-y. Allez, allez. Ouais, je l'entends. Fais-toi bouffer, regarde, regardez, regardez, fais-toi bouffer, allez. Il y en a deux de vautours là, faut faire gaffe quand même. Allez, 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 vous êtes presque. Putain, vous l'avez loupé. Mais lui est maintenant. Oh. Vous avez vu comment ils sont effrayés par les machins? C'est vraiment leur ennemi naturel, les vautours. Par contre, à moi de... Ah bah j'ai une lance. Maintenant, à moi de... Survivre. Putain, il est pas loin. Quand je dis qu'il est pas loin, faut pas abuser quand même, Patrick. J'ai pas le temps de réfléchir. Enfin, j'ai pas le temps de regarder la carte. Il y a déjà l'autre qui est en bas. Alors, je voudrais bien descendre en bas, mais il y a tous les lézards, j'ai l'impression. Et après, monter en haut, ça fait le... Ah, je tourne en rond comme tout à l'heure. Ah non, c'est par là qu'il faut aller. En haut. Par contre, il y a un lézard. Putain, il veut me brain là. Alors brain, c'est pour dire l'expression, il veut te... Ah, la langue était juste trop courte. Putain, regardez en plus comme c'est satanique ce machin. Il devient invisible. Putain, il y a un lézard juste en haut en bleu. Il y a un lézard juste là. Non, ah, ah, fuis. C'est tellement stressant. Mais c'est pas où qu'il fallait aller. En haut. Il n'y a pas de zone en haut en plus. Il y a une zone en haut. Attends, est-ce qu'ils se battent tous les deux? Bon, s'ils se battent, on a un peu de temps pour réfléchir. Ah ouais, ils se battent tout en haut. Battez-vous. En théorie, c'est le blanc qui devrait gagner. Mais après, si le blanc... c'est tellement raciste, je dis. C'est le blanc qui devrait gagner. Putain. Bon, si c'est le lézard blanc. Bon, tu montes à direction où faut aller, toi. Parce que... Il reste... Oh, putain. Je suis absolument dans la mauvaise zone. Et j'ai faim en plus. Il est là. Il m'en faut juste un. C'est bon, je l'ai eu. Mais je suis où? Mais, oh, j'ai pris une pierre. Ah, ça sent le vautour qui arrive. Voilà. Salut. Au revoir. Et je perds beaucoup de temps pour essayer de passer tout ça en plus. Il faudrait vraiment... Tu montres une direction, toi, au bout d'un moment. Il y a un cheater par là. Mais ça me fait revenir trop en arrière après. On est à peine à la moitié de la journée. On peut y arriver. Oh, putain. Le saut de l'ange, Flich. Non. Bah après, si tu me disais aussi, écoute-moi, et je te dirais, il faudra aller après, là, je t'accepterais de t'écouter. Mais là, c'est pas pour le moment. C'est pas le moment, là. Là-bas, il y a une zone en bas où on peut aller. J'imagine qu'il y a une zone. Je suis pas sûr. Attends,
Il montrait un signe là. Oui, un cheater en bas. Ouf. Ouais, du coup, en fait, tout à l'heure, j'ai dû être mort à juste à une zone du shelter, en fait. Il y a des lézards en bas, bien évidemment. Il faut descendre. Ouais, je pense que tu vois, c'est la zone. Vous voyez, c'est la zone qui est tout en bas où il doit avoir un shelter. Là, il doit avoir des lézards. Ah, un lézard. Faut que j'aille à la zone qu'il y a là. Je vais plus vite que lui, en théorie. C'est parti. J'ai un caillou que tu sens en. En supplément. Alors où est-ce que ça pourrait être la zone? Ils m'ont fait peur. Dites-moi, dis-moi où est le shelter, mon petit, mon cher. Ah, peut-être en haut. Attends, parce que je crois qu'il y a des zones en fait où il peut me voir et des zones où il peut, enfin, il peut venir et des zones où il peut pas venir. Oh, c'est quoi ça? Viens là! Quoi ça? Jamais, mais il y a des trucs que je découvre, c'est incroyable. Oh, attends, tu veux aller dans l'eau? Oh, il s'en bat les couilles de moi. Ouais, il voulait aller dans l'eau. Bon bah peut-être je vais avoir une réputation auprès des poissons. Qu'une idée. Ah bah voilà. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et une fleur de karma, une et un filter. Voilà. Et bien, c'était de la partie. Merde. Et quelle heure? 119 minutes. Ça fait 2 heures que je fais quand même que je joue à ce jeu, mais j'avais très bien envie de rejouer à ce jeu en tout cas. Et voilà, c'est tout. Bon ben, de toute façon c'est la fin de l'épisode parce que ça fait, je pense que l'épisode fait déjà une demi-heure. Du coup je vous dis à plus, et là je pense que nous rapprochons de la zone, regarde, la zone que je connais, la zone où il y a plein d'eau. Où je sais qu'il faut aller là-bas parce que je sais qu'il faut aller là-bas, voilà, parce que en fait vous allez voir au bout d'un moment, en fait on va découvrir un truc. Et le machin après il va complètement changer de comportement, enfin, le comportement, il va nous mener dans une autre direction que la droite. Voilà. À moins que ce soit en fait une réalité, une quête optionnelle, je sais pas en fait. Parce que le machin, en fait, je crois qu'il veut nous montrer son monde, aucune idée. Ou alors il veut nous sauver, je sais plus ce qu'il voulait faire. Mais bon, bref. Du coup, suite au prochain épisode. Salut!